Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la couperose. Alors, je suis avec le docteur Marie-Estelle Roux. Vous êtes dermatologue. La couperose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie des petits vaisseaux du visage qui se manifeste par des rougeurs. Et puis, parfois, on voit des petits vaisseaux rouges à la surface de la peau et qui peut même se... C'est des petits vaisseaux comme ça ou c'est les gens qui ont les joues rouges? Non, c'est des... Alors, il y a plusieurs manifestations. Ça peut être simplement une rougeur, des joues rouges, le nez rouge. Ça peut être des petits vaisseaux visibles et puis parfois aussi des petits boutons un peu pustuleux, en fait. Alors, les joues rouges, ouais. Le nez rouge, on pense tout de suite au gars qui y va un peu trop oui, sur... Oui, c'est une maladie... Est-ce que c'est une maladie de l'alcoolisme ou pas que? C'est une maladie qui est très gênante socialement, justement parce qu'on l'associe à l'alcoolisme. Alors, l'alcool est un facteur aggravant, mais ce n'est pas la cause de la couperose. Et on peut avoir de la couperose sans boire d'alcool, effectivement. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, la prévention pour limiter la couperose, c'est de se protéger du soleil. Et puis, on traite avec des crèmes. Alors, on sait que dans la couperose, il y a un parasite dans la peau qui va se développer et aggraver la couperose. Ce parasite s'appelle le Demodex. Donc, on utilise des crèmes qui vont inhiber le Demodex ou le détruire et donc qui vont éviter l'aggravation de la couperose. Donc ça, c'est par voie locale. Ça évite l'aggravation, mais malgré tout, les vaisseaux, ils avaient éclaté, c'est ça, avant? Alors, ils sont dilatés. Ils sont dilatés. Donc, ceux-là, ils restent quand même visibles. Alors, voilà, faire disparaître, en fait. Quand les vaisseaux sont dilatés, sont visibles, on les traite au laser. Ça marche très bien. D'accord. Donc, avec des séances de laser et de la crème, on peut se débarrasser de la couperose. Et puis, il faut être donc prudent pour ne pas redéclencher le phénomène. Donc, attention au soleil et puis, bien sûr, à l'alcool. Éviter l'alcool, oui, quand même, c'est sûr. Et puis, il y a quand même une composante génétique qui fait que ça a tendance à revenir. Donc, il faut régulièrement refaire un peu de laser pour éviter d'avoir des poussées. Voilà, prenez soin de votre peau et allez voir votre dermatologue. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.